Moi, salut à tout le monde qui a regardé la vidéo, ça, mesdames et messieurs. JPL, vraiment content pour le rentrer la CA aujourd'hui, hein, pour nous capables de partager information ensemble à vous. Aujourd'hui, là, on va parler de un juge fédéral qui prononçait son procès qui visait pour établir de nouvelles moyens pour le monde rentrer aux États-Unis. Donc, c'est ça que lié, c'est juste ça, lié, et Andrew George Scouple. Donc, lui-même, il prononçait, c'est qu'il y a un procès qui visait pour établir de nouvelles voies d'entrée aux États-Unis. Donc, mesdames et messieurs, nous prenons le temps des détails parce que c'est une décision qui prend hier. Donc, magistrat fédéral, ça a monsieur déterminé hier vendredi après-midi que autorité américaine n'a pas tenu pour admettre demandeur asile dans le poste frontalier avec Mexique si mon n'a pas de temps gagné un rendez-vous déjà de application que relève CPB1. Donc, juge Andrew Scouple, il indique que décision ça a appuyé sur une décision qui était prise en Cour suprême qui limitait autorité yo en matière de politique d'immigration et ça constituait un triomphe pour l'administration Biden qui a cherché pour établir de nouvelles moyens pour monde rentrer dans le pays et en même temps mettre en application un processus qui est plus structuré pour monde qui a demandé asile. Yo dit que de janvier à août 2023, application CPB1 li enregistré 263 000 rendez-vous sorti janvier pour arriver août. Yo dit que avec un pic de 45 400 rien que pour mois dernier. Parmi candidats yo dit que monde qui plus prend rendez-vous yo c'est haïtien, mexicain avec vénézuélien. Yo dit que application ça li bay y a pile monde qui critique elle surtout et parti conservateur yo côté que j'en ai même fait connait que li pas fait un rien mais yo doit suivre procès. Yo dit que important CPB1 nan li atteint un point côté que selon avocat Dar Otro Lado et de Haitian Bridge Alliance, yo dit que c'est seul mécanisme qui permet au monde accéder à processus asile pour États-Unis. M'a reprendre ça pour nous mesdames et messieurs. Selon avocat Dar Otro Lado, qui sont organisation, et Haitian Bridge Aliens, qui sont une organisation haïtienne, ils ont dit que seul moyen pour les gens qui passent par Mexique, ils sont capables de rentrer dans le processus asile États-Unis, c'est fait à partir de l'application CPB1. Donc, ils ont dit que et ça, c'est ça capable de permettre que un pile monde qui est capable de joindre moyen. Selon le ministère de la Justice, il y a existence d'une politique de rejet demandeur asile sans rendez-vous. Yo veut à ce que gagne un rendez-vous qui prioritaire mais qui pas exclu l'autre monde. Non, non ça mesdames et messieurs, pas faut nous connaître que gagne un pile monde, yo même qui gagne chance, gagne monde qui gagne chance passer l'autre monde. Donc gagne monde qui gagne arriver au Mexique et qui pas prend 2 semaines, mais gagne monde tout qui a couru sur 1 mois, gagne monde qui a couru sur 3 semaines. Donc c'est que de nos jours comme si ouais que et ben là les pas antigen beaucoup plus facile par rapport avec l'autre et programme qui gagne. Yo dit que plaignant yo exprimé désaccord yo avec décision et yo envisagé pour faire appel selon Melissa Crow qui c'est un avocat de yon l'autre avocat qui est Catherine Chineuse lui-même li soutenir décision juge là et li estime que casa li assez simple c'est que personne autorité américaine yo pas gain droit quitter personne rentrer si li pas de gagner rendez-vous de CPB1 qui était déjà établi. Donc, il dit que décision ça a intervenu dans le contexte débat sur politique immigration. Administration lui-même, Biden est confronté à des défis juridiques qui liés à approche qui combine de voie légale, application la loi. Donc, il dit que ça lui-même les rend asile la vie difficile pour monde qui rentrait illégal aux États-Unis après que il était fin passé par plusieurs autres pays pour être capable d'arriver sur le territoire États-Unis. Je dis que, il y a un autre cas qui est en cours concernant la politique qui a accordé un séjour de 2 ans à des gens qui sont origine de Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela. Dans ce sens, je dis que Texas, dans tête 21 states qui affirment que la politique ça a dépassé le pouvoir administration Biden. Non. Malgré décision juste couple, la controverse CPB1 a persisté à San Diego alors que quand pile monde qui a contesté l'application. Donc, mesdames et messieurs, il faut connaître que Andrew George Scouple, lui-même, c'est un avocat américain qui est un juge dans le district tribunal
américain dans Californie, côté que qui était nommé par président Joe Biden en 2022 pour exercer fonction juge district dans le même tribunal. Dans ça, mesdames et messieurs, je crois que il y a un pile monde qui est à comprendre que rivé Mexique, qui est à comprendre que l'important de pour arriver pour que on prend un rendez-vous sur CPB. Parce que juge la claire, il dit que autorité américaine n'est pas tenue pour admettre demandeur asile dans poste frontalier avec Mexique si pas de rendez-vous au préalable qui te prend de application mobile CPB 1. Donc je souhaite que tout le monde qui a traversé yo, tout le monde qui l'a boyo, yo font façon que yo get prend rendez-vous. Mais pendant tout ça, ça c'est voie légale là. Mais il y a de l'autre monde bah qu'on est comme Eiffel qui vient permettre que Guido Mayo capable joindre. Donc entre-temps mesdames et messieurs, c'est extrêmement important pour qu'on ait que nouvelle décision que juge Scoople lui-même Andrew Scoople lui-même lui prend pour et monde qui a rentré États-Unis. Donc mesdames et messieurs, nous-mêmes dans JPL nous toujours là pour capable venir partager information à vous faire connaître ça qui a passé et j'en ai toujours dit toujours branché sur Facebook ensemble avec YouTube pour capable joindre plus de détails. C'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous être capable avoir. Nous te merci à tout le monde qui était branché. Bye bye et à la prochaine.